Et là, il y a un chaton mignon qui va faire des bêtises. Regardez cette tête. Oui, bouillou. Tu vas avoir un an. Tu vas être vieux. T'es vieux. Il bébé. Oh, la tête du chat, genre, lâche-moi. Bon, allez, je laisse tranquille, le pauvre. En jouer. Chat. Et gros gal. Et coucou, Alexis. Je t'ai même pas dit bonjour, je suis désolée. Pourrais-tu me pardonner? Minou, minou, minou. Et oui, j'en ai trois, elle est comme ça. Bon, on va peut-être commencer parce que là, on se fait chier, en fait. Alors, déjà, je vais réduire ma caméra. Je vous explique le programme. Ensuite, je réduis ma caméra et ensuite, on commence. Si tout marche bien, ce qui serait bien. Donc, alors déjà, il y aura deux parties. Une partie où je vais... je te pardonne pas. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Donc, il y aura deux parties. Donc, la première partie, je vais faire des petits jeux. Donc, je vais faire une partie de League of Legends. Vous allez voir à quel point je suis nulle. Ça va être très drôle. Et je vais faire une partie de Plague. Donc, je vais vous expliquer les jeux, hein, vous inquiétez pas. Et la deuxième partie, je ferai les Sims 4. On va continuer notre... je sais même pas ce que c'est, en fait, tellement c'est parti en couille. Alors, Alexis, coucou petit chat. Comme ça, tu fous le bordel. Moi, je t'encourage à faire chier encore plus, Lupina et Ren. Non, non, mais c'est bon, il nous réveille déjà tous les matins à 6h. Jusqu'à ce que... Bref. Plague. Oui. Je sais pas le dire, en fait, mais je crois que ça plague. C'est un jeu où t'es un virus et tu dois détruire l'humanité. Voilà, c'est passionnant, n'est-ce pas? Donc, on va jouer. Déjà, je règle la webcam. Parce qu'il y en a marre de voir ma gueule en grand, là, c'est plus permis. Hop. Donc vous voyez tout mon écran, c'est passionnant, je me suis dit que ce serait plus simple que de faire 15 000 trucs, 15 000 manips pour avoir tous mes jeux un à un. Voilà, normalement c'est bon. On va se connecter. Hey, il est trop beau, Ryustan. Désolée, le personnage que vous voyez là, c'est le nouveau champion qui vient tout juste de sortir et je le trouve juste trop beau. On s'en bat les couilles. Alors... S'en fout. Alors pendant que ça charge, je vous explique en fait LOL, c'est un... C'est que ça. Mais je m'en bats les noisettes. Bon, je suis niveau 12, hein. Ça fait 3 ans que je suis sur ce jeu. Mais c'est pas grave. Putain, il est cher. Bref. Oh, il y a mon pote là. Il est en ligne, ce troufion, je pourrais jouer avec. Bon, c'est pas grave. On va faire une partie perso où on va jouer contre des bots. Donc, je vous explique un peu. En fait, attendez, je me perds. Dans LOL, tu joues un personnage parmi les je sais pas combien de champions disponibles. Je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Toutes les semaines, il y en a qui sont... en ce qu'on appelle en rota, donc disponibles gratuitement pour essayer, quoi. Et ensuite, tu peux les acheter. C'est pas un MMO, c'est un... Comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? Un truc à la Dota, là. Je sais plus. Enfin bref. Et donc, du coup, tu joues un perso. Chaque perso a ses caractéristiques et tout ce que vous voulez. Et du coup, il faut aller poutrer l'ennemi. Bon, bref. Alors, on va jouer, hein, sinon on va jamais y arriver. En plus, j'explique comme un caca. Donc, on va créer une partie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est là-dedans, moi? Non, moi, je veux une partie avec que des robots, en fait. Parce que je suis trop mauvaise. Personnalisée. Oh, je sais plus, que je sais pas comment on joue. Alors, ça, c'est avec des joueurs. J'ai pas envie de jouer avec des joueurs parce que je suis trop mauvaise et je vais me faire insulter. Ça, c'est aussi avec des joueurs. Bah, du coup, ça doit être ça, hein. Je vois pas... Vous voyez, il y a 3 maps, on va prendre la plus grande et je vais essayer de... Je vais essayer d'être douée. Non, pas lui. Oh, Edouard! Enfin, studio, pardon. Alors, taille de l'équipe. Ouais, bah, ouais, on va faire ça, je niais.
Ajouter un bot. Je ne connais... De Miss Fortune, ça va pas le faire. Je connais pas du tout les personnages sur avec Morgana. Je sens qu'on va se faire défourailler. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Alors... Oui, je sais que j'aurai pas d'XP, mais c'est juste pour vous montrer. Il est possible que je perde. Alors, je pourrais pas trop vous lire pendant ce temps-là, mais je vous aime quand même. Alors, on va prendre... H. Pour la petite histoire, H, en fait, c'est le premier perso que avec lequel vous jouez, que tout le monde a. Et en fait, c'est la meuf d'un des développeurs. Voilà. On s'en fout, mais c'était intéressant de le savoir. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Et H, en fait, est ce qu'on appelle un ADC. C'est-à-dire... C'est-à-dire que... En gros, il faut au début qu'elle tue des sbires, des minions, enfin vous appelez ça comme vous voulez, des petits bonhommes, et ensuite elle va devenir de plus en plus forte, et puis bref. Ah, je suis pas du tout claire dans mes explications. Vous pouvez aussi acheter des skins à vos champions, comme vous pouvez le voir. Ah, elle en a plein. Moi j'en ai débloqué qu'un, et c'est celui-là, c'est une grosse bonne. C'est si si, allez on va jouer. Alors j'espère que ça va marcher, par contre ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. J'ai peur. Je sens que je vais me faire défourailler. Ça va être comique. Préparez-vous, le combat va commencer. J'espère que ça va marcher, j'espère vraiment que ça va marcher parce que ça va être aussi un petit peu un test. Est-ce que ça marche? Oui! Non. C'est embêtant. C'est embêtant si vous ne voyez pas le jeu en fait. Alors, ah si c'est bon, ça marche. Ouf, j'ai eu peur. On va voir des hommes à poil ou pas? Non, Seb, je ne pense pas. Si tu veux, il y a Tariq, il a un skin avec une armure rose, c'est magnifique. Mais là, il l'a pas mis. Ramus, c'est qui celui-là? On a mis ce gros nichon avec nous. Alors, oh, le fond d'écran du Loopy. Ouh, c'est fort, ça m'explose les oreilles, je pense que ça va aussi vous exploser les oreilles. Voilà, la gueule lol. Merci. Du coup, c'est là. Alors, vous voyez, j'ai des sorts. Et en fait, nous, on est les bleus et le but est d'aller pouillave les rouges. Ah, c'est très simple, hein, dit comme ça. Alors, on va prendre des potions. Ça, on s'en fout, mais on le prend quand même. Et ben, on va aller en bas, hein. On va aller avec Ramus, du coup. Oh, qu'est-ce que c'est que ce personnage? On dirait un gros hérisson, vous trouvez pas? Mais si, le machin, là, dans Pokémon. On dirait un Pokémon. Comment il s'appelle? Je sais plus. Alors, les sbires, en fait, c'est des espèces de petits bonhommes encapuchonnés, genre les hommes des sables dans Star Wars, qui vous aident. Donc, nous, on doit les taper pour récupérer de la thune, pour avoir des meilleurs items, et pour être plus fort, et voilà, et ensuite on doit aller casser des tourelles qui sont là, et ensuite on doit aller casser tout ça, et je sens qu'on va se faire tuer en fait. C'est ma première partie toute seule. Vous allez mourir. On dirait Hydromel, mais je permets pas. Hydromel, il est beau. Et mon fond d'écran, pour information, c'est sur, j'ai choisi ma voix. C'est sur... comment ça s'appelle? Black Desert Online, où on a fait une photo avec le perso de Ruru et le perso de Seb. Et d'ailleurs, j'ai même pas dit coucou Seb, donc coucou Seb! Seb qui reviendra bientôt, je l'espère. Ah ouais, les petits sbires! Alors allez, on va taper des sbires! Et comme vous pouvez voir, il y a des méchants en face. Il y a Cassiopeia, je ne la connais pas du tout. On dirait Méduse, elle est trop jolie. Et Tariq... qui peut nous défourailler. Là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et il va se faire pouillave, ce con. Allez, on essaye de les tuer. Oh, je suis mauvaise. Alors, faut faire gaffe parce que les minions, là, ils tapent fort, mine de rien. Nya! Tu me laisses tranquille. Trop gneugneux. Allez, on s'active le pistil. Alors, qu'est-ce que je veux augmenter? Je veux augmenter ça. Tchou. Alors oui, le souci dans ce jeu, c'est que j'arrête pas de me perdre. En fait.
Je sais pas si Ramus c'est un support ou quoi. Qu'est-ce que tu es, Ramus? Non, il m'a étourdi! Alors si vous ne comprenez rien, c'est normal. Moi non plus, je comprends rien, je... Allez, on peut l'avoir! On peut l'avoir! On l'aura! Oui! On l'a tué! C'est un premier champion que je tue! Par contre, je suis en train de me faire défoncer, en fait. Donc on va se calmer, là. Vas-y, Cassiopée, là. Veux qu'on se fight? Wesh! Wesh! Mourue! Non, attends, elle va sous la tourelle. Mais la tourelle, ça nous fait très le bobo, en fait. Donc on va éviter de trop le taper. De trop y aller, je veux dire. Je dis vraiment n'importe quoi. Oh, je suis trop concentrée. Je sais pas du tout si vous comprenez ce qui se passe. Je sais même pas si ça vous intéresse, en fait. Parce que... Je sais même pas si j'ai bien expliqué le principe. Donc, je suis nulle. Oh non! Tariq est de retour! Et dégagez! Vous êtes moche! Non! Tu laisses mon copain, toi! Non mais... Ouh, il me rapatre, un aller. Du coup, on va retourner au camp. Bon, ça s'appelle back en fait, donc on va back. Et comme ça, on pourra acheter des items avec les sous-sous qu'on a eu. Des items qui nous permettront d'attaquer plus vite, d'être plus résistants, etc. Je vais vous lire pendant ce temps-là. Peggy la cochonne, d'accord. What? Non, Black Desert Online n'est pas sur Steam, il est sur Black Desert en fait. Faut aller sur le site directement. On va prendre ça pour aller plus vite. Et on a déjà plus d'argent, c'est génial. On est pauvres, il faut tuer plus de sbires. Du coup, pendant qu'elle se mine, ce genre de jeu à la fin de la partie, je suis tout mou du cerveau. C'est vrai que... Putain, ils sont déjà à notre tourelle, quoi. C'est vrai que moi, je fais une partie ou deux, puis après, j'ai le cerveau qui dégouline par les oreilles. Est-ce que tu vas te dépêcher le popotin, H? Ah oui, tu prends cher, en vrai. Alors, je me le prendrai le mois prochain. Il coûte 30 euros pour ceux qui le veulent. Ça vous intéresse, en fait. Ils sont en train de défoncer Ramus. Allez, on se fait Tariq. Wesh. Oh non, on se fait l'autre morue, là. Oh, je lui ai piqué son kill, pardon. Du coup, bah en fait, c'est plutôt une bonne équipe, ces deux troufions-là. Hein. Mais Ramus n'y va pas tout seul, tu vas te faire déboîter. Laisse tomber, allez. Pff, le sort gâché pour rien. Faut surtout pas aller sous la tourelle sans nos sbires, sinon on se fait défoncer. Du coup, qu'est-ce que vous dites? Et c'est trop chaud de jouer à LOL et de vous lire en même temps, je vous raconte pas. La vipère est morte, oui. Elle s'appelle Cassiopeia, elle me fait trop penser à Méduse. Mais dans LOL, il y a plein de références. Par exemple, il y a un perso, on dirait trop à Harlequin dans Batman, si vous connaissez les références, sinon tant pis pour vous. Alors là, on casse la tourelle, enfin, on essaye. Putain, l'autre, il va me... Mais, tiens, ta gueule, il s'est régénéré, fils de ta maman. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je fais n'importe quoi, les mecs, laissez tomber. Oh, mais il va mourir. Ramus, tu vas mourir. Tu vas mourir. Oulala. Je les ai mis en quoi, les bottes, en fait? Oh, je peux le tuer. Oh oui. Oui, non. Crotte. J'aurais pu le tuer. Mais il est parti. Oui, 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 ça s'arrange pas, hein. Alors, c'est chiant sur iPhone. Ah merde, bah je suis désolée, je peux rien faire. Je l'ai déjà réduit et puis bah c'est les iPhones quoi. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis en train de crever. Pourquoi j'ai des boules de sang et tout ce que tu veux là? Oh, il y a chaîne, ma chaîne, vas-y, incruste-toi surtout. On ne dira rien, mec. Il faut la tuer, la morue! Morue! Reviens ici! Excusez-moi. Putain, je vais crever. Je vais crever. Mais elle m'empoisonne, en fait, je crois. Écoutez, on va back et comme ça, me permettre de lire ce que vous dites. Il est devenu payant. LOL? Non. Si c'est la question.
LOL, non, bah il est pas payant, tu peux l'acheter. Enfin, tu peux l'acheter n'importe. Il est pas payant, tu peux l'acheter. Tu peux le télécharger tranquillou pépouze, mais après, si tu veux des champions, faut soit payer, soit faire plein de games en fait pour avoir des. En fait, il y a plusieurs monnaies. Il y a la monnaie que tu gagnes en jouant. Et ça donne quoi ça? 10 d'attaque, on s'en bat les couilles, il me faut de la vitesse d'attaque moi. Et la monnaie que tu achètes en fait. Et c'est comme tu veux, ça dépend si t'es pressé ou non. Mais ça va vite. C'était quoi le bruit que t'as fait, Loupi? J'en sais rien, j'en fais tellement que. que je laisse tomber, hein. Alors, payant pour un jeu comme ça, c'est juste des combats, il n'y a pas vraiment MMO. Mais c'est pas un MMO, c'est un MOBA. Voilà, c'est un MOBA, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que comme chaque perso est différent, il y a des nouvelles manières de jouer à chaque fois. Vous allez me dire, ouais, bah tu lances des sorts, quoi. Mais c'est un peu plus compliqué. Moi-même, je suis trop novice pour vous expliquer bien comme il faut. Oh, il m'a mute. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah, mais je viens ici, on se les achève. Il m'entend pas, c'est un bot. Suis-je bête? Et mais Tariq, tu vas te détendre là. Non mais oh. Du coup, le petit là, tu me fais chier. Allez! Allez, viens là, je te baise. Ou pas en fait. Je suis pas encore morte, alors on croise les doigts de pied. Ça ne saurait tarder, je pense. Je sais pas trop comment ils s'en sortent en haut, en bas, bref. Et aussi ce. Ah, j'ai mon ult! Alors, mon ult, en fait, l'ult, c'est la dernière attaque que vous avez avec la touche R, parce qu'on peut aussi jouer au clavier, mais moi, comme je suis pas douée, je joue avec la souris. Et en fait, l'ult vous permet de. Enfin, c'est une attaque surpuissante, on va dire. Tiens, par exemple, je fais ça. Comme ça, elle ne bouge plus et on l'achève. Voilà, ça c'est fait! Ça, c'est du bon job, ça! Allez, hop! On passe à autre chose. Je vais crever en plus. C'est les mignons qui vont me tuer, quoi, la blague. Allez, on attaque cette foutue tourelle de merde. Parce qu'elle est toujours pas descendue. Et ensuite, je vais back. Mais non! Mais on vient à peine de tuer l'autre morue, puis il y a le machin qui arrive, là. Mais t'es moche, bonhomme. Par contre, moi, je vais me faire. Oh là 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 là, je vais me faire pouillave. Non, ne me tuez pas! Ah bah, il y a chaîne. On peut peut-être faire quelque chose à trois dessus là. Où je suis? Dans ce jeu, je passe mon temps à perdre mon personnage de vue. Atroce. Allez, vas-y, on tue cette foutue tourelle. On peut le faire. Allez! Mais Ramus, tu sers à rien! Ah, mais j'ai un truc soin en fait. Et ben voilà, ça c'était nul. Oh là là, il m'a étourdi ce bâtard. Non, tu ne mourras pas! Bon, je vais back parce que je fais de la merde. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Je suis pas encore morte, croisé la pied. Oui, c'est la meilleure expression du monde, ok? Du coup, est-ce que j'ai acheté ça? Je sais plus. Oui, je l'ai acheté. Alors, gna, pénétration d'armure. Ouh, des pénétrations, pardon. Ça ne s'arrange pas du tout. J'ai encore de la thune, donc on va prendre ça. 12 de vitesse d'attaque, puisque en fait, à la fin, H, quand vous avez bien géré vos items, oui, parce qu'il y a plein d'items et le but aussi, c'est d'avoir l'item qui va avec son champion. Sinon, ben, ça sert à rien en fait. Si t'as un mage par exemple et que tu lui prends, je sais pas moi, de l'armure alors qu'il tape jamais au corps à corps, ça ne sert à rien. Je dis de la merde, hein, mais c'est un exemple. C'est chaud, je comprends rien, je. Faut dire que j'explique comme une pine d'huître aussi, donc ça doit pas aider. Allez, bim! Où suis-je? C'est compliqué en fait. Faut jouer pour comprendre et je suis pas la meilleure pour. Je vais crever. Je suis pas la meilleure pour expliquer, vraiment pas. Cassiopée, viens ici! Chérie! Ah, les bâtards, ils sont régènes. Oh! Mais je vais mourir!
C'est moi ou ça a bugué? Ah, bah c'est embêtant si ça a bugué en fait. Ah, y a Ramus, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. C'est pas mal quand on connaît. Oui, en fait, je voulais vous montrer un peu, puis moi je suis un peu mauvaise donc. Oui, 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 oui. Non, les tourelles, elle m'a pouillave. Je suis presque morte donc on va back. Bravo, Loupi. Courage, Loupi, défonce-leur leur race. Ça me stresse parce qu'il y a la moitié de vos messages que j'ai ratés en fait. Donc après la partie, je vous promets que j'irai tout relire. Ça va prendre 1000 ans en fait, donc peut-être pas, mais je vais essayer de relire. Faites un rafraîchissement. À part le combat, il n'y a aucun but. Ben si, il y a des buts, mais... Ben, le but en fait, c'est marrant de s'entraîner avec plein de persos. Mais il faut y jouer quoi, parce que j'explique mal. Ruri pourrait peut-être mieux expliquer. Non, mais ils sont en train de taper mon pote là. Wesh. Huch, je suis pas d'accord. Voilà, Tariq, déjà, t'arrêtes de nous faire chier. Et maintenant, on te bute. Voilà. Ou pas. Putain, on aurait presque eu ce petit enculé. Oui. Je t'ai baisé. Pardon. Je suis désolée, les mecs. RIP vos oreilles. Allez, on va la tuer, cette morue, ou comment ça se passe? Morue, reviens ici. Oh, je vais me la faire, je vais me la faire, je vais me la faire, j'en ai rien à foutre. Voilà, je l'ai eu! Morue! Par contre, là, je vais crever dans la tourelle. On va faire le tour, hein. Non, elle ne veut pas. Bon, bah, je vais mourir. La tourelle va me tuer, les mecs. Abusé! En fait, ça, faut tuer les champions de sa ligne pour pouvoir accéder à la tourelle et tuer cette tourelle, en fait. Et comme ça, on tue les tourelles, on remonte la ligne et ensuite on va leur pouillave leur race. Mais ils régènent trop vite, bande de morues. Bon, je me casse. Je me casse. Je pourrais faire du soin, remarque. Ça soigne pas grand-chose. Tariq, tu nous cherches là? Tu veux qu'on se fight? Tu veux qu'on se fight? Il va me tuer. Mais en fait, ça va, il y a Ramus. Ramus, il prend tout, en fait. Mon cher Ramus. Hein. Ah, voilà, ça c'est beau, ça. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis où? Je suis là. On va peut-être dégager en fait. Ouais, il me reste plus que... Ah, je suis morte! Et voilà! Fallait que je meure un moment. Bon bah, mon cadavre magnifique. Alors... Moi ça va plus, refresh, j'ai refresh, j'espère que ça ira mieux. Il y a quelques coupures. Aïe, 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 mais oui, mais sur tablette, iPhone et tout, enfin, quelle idée d'aller là-dessus. Prenez un PC, je sais pas comment ils se démerdent, là. Oula, la tourelle, elle va... Pardon, j'ai eu un roux. Elle va bientôt crever, notre tourelle, là, je sais pas comment ça se passe. Ouah, c'est compliqué. Ah, mais je suis là. Peut-être se manier la courge, hein. Manier la courgette. On va prendre ça. Voilà, allez, on y va maintenant. Oh, il y a Miss Fortune. Miss Grenichon, comme on l'appelle avec nos copains. On va y arriver, hein. Elle est morte, you. LOL. Je sais pas si tu parles de moi ou de coin-coin ou je sais pas quoi, mais c'était pas cool. Allez, vas-y. Ouais, on va peut-être attendre mes sbires, en fait. Oh là là, me fait défonce. Oh là là, qu'est-ce qui me fait... Mais c'est quoi ce truc en fait? C'est peut-être l'ult de quelqu'un, je sais pas. Ah, il y a mon pote là. Oh, il y a une tourelle qui a été détruite. Mauvaise. Bon, tant pis, je vous avais prévenu. De toi dans le jeu. Oh, t'es méchant, Alexis.
Mais oui, mais coin-coin, même pas en fait. Non, je déconne. Je vais arrêter de faire la martyre. Et pendant que je suis morte, je vais manger un truc au coca. Voilà, c'est cool, hein? Je suis désolée pour le bruit, ça a dû faire un bruit atroce. Non. Ripé, Lupina, non, mais là. Je suis mauvaise! Je suis mauvaise! Vive la bouffe, ouais. Non! Miss Grognichon est morte! Allez, dépêche-toi, H, passe la quatrième! Allez hop. Oui! On l'a eu cette foutue tourelle! Allez, toi t'es morte. Ah, fallait pas trop me tuer. Ah, c'est mon pote qui l'a tué. Bon, on s'en fout, on a eu l'assist. Allez! On va tuer l'autre tourelle! Ou pas! Le sort raté. La concentration, je vous jure. Et revenez à l'autre morue. Oh là là, j'ai plus de mana. Morue! Mais pas en plus, il se branle la douille là. On va peut-être back, hein. Oulala, oulala. En plus, j'ai plus de mana, j'ai plus rien. Laisse tomber. On va back. Regardez, elle se met sur son petit trône là, là. Peinarde, allez, vas-y. Lol, ramène-moi chez moi mon trône magique. Alors, hop là! Allez, on y va! C'est qui lui? Il était avec nous? Oh! Qu'est-ce qu'il est moche, le pauvre! Pouh! Il a pas oublié d'être moche, comme dirait ma grand-mère! Ouais, du chocolat! Alors, qu'est-ce que vous racontez? Tweetez! Tweetez, moi je bouffe des madeleines! Miss Grognichon devrait avoir une attaque pour asphyxier les ennemis avec ses seins. Ouais, ce serait marrant. Mais je ne pense pas qu'elle en ait une, malheureusement. Je ne l'ai jamais jouée, donc je peux vous dire. C'est une pirate, je crois. C'est très, très mal joué, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai dit de taper ça. Oh, gneu. Oulala. Bon, bah. Salut, Ramus, comment ça va? On va crever, les mecs. Allez, faut vraiment qu'on l'ait ce truc là. Mais Ramus, t'as cette tourelle! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il danse la Zumba ou quoi? Oh là là, on s'en va, on revient! N'importe quoi, le mec! Zumba, Zumba, Le mec, j'hallucine. Allez, Tariq, viens ici! Tariq! Minou, minou! Bon, on s'en fout, on fait la tourelle. Allez, zou! Bah les défonce là, je peux te dire. Défonce! Ah, je défonce pas trop non plus.
Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, ça c'est fait. On est bonne ou on est bonne? Moi je dis je gère, hein. Je crois qu'ils sont en débutant en plus. Qu'est-ce qu'il est moche, le pauvre. Mais oui, mais il est moche, c'est pas ma faute. Ah oui, la tour elle est morte. Oui. Oh, il y a Vladou. Vladou. Vladou, t'es un vampire. Viens ici que je te le solarifie. Ça ne veut rien dire. Non, on va se faire défourailler, il y a Morgana et tout là. Laisse tomber. Miss Grenichon, viens nous aider. Oulala. Oh là là. Insensible au sort. Oh la morue. Morue. Mais tapez l'inhibiteur. Alors c'est un inhibiteur. En gros, quand tu le casses, on a des super sbires qui viennent pouillaf tout. Allez, vite, vite, vite. Oh, oh putain, je vais me faire défoncer là. Là, je suis morte. Voilà. Oh, c'est fait. On est mort comme des merdes. Ouais. On est mort comme des merdes. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin bref, on s'en bat les couilles en fait. Alors... ça peut pas revenir, il a eu un bug et il peut pas utiliser son ordi non plus. Il reviendra s'il trouve une solution. Y a pas de souci, y a pas de souci. En même temps, c'est nul que Twitch soit pas optimisé pour les iPhones. Moi, j'y peux rien. Hein. Ou les tablettes d'ailleurs, je trouve que ça bug aussi pour les tablettes. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, je vais boire un coup. Je pense que la partie est bientôt finie. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense. Oh, putain, ils sont tous en bas, ces fils de leur maman. Cassiopeia est imbattable. C'est ce qu'on va voir. On va lui mettre une branlée à cette morue. Ah, ils sont tous les quatre là, en fait. C'est réunion Tupperware en bas. Hein. Allez. Allez, allez, allez. Lève les bras en l'air. Allez, allez, allez. Je vais crever. Allez, allez, allez. Hop. Bon. C'est qu'on tue. Vladou! Allez, on tue lui. Allez, allez! Oui! Ça c'est fait. Bâtard. J'ai presque plus de vie. C'est très stupide ce que je fais. Oh là là! Ah, je crois que c'était mon pote en fait qui a fait ça. Allez, tu meurs, toi, bâtard. Allez, on se casse, là. Ah, toi. À charge de revanche, tu m'as tué plein de... Non, elle m'a encore tué. Morue. Ah, la salope. Ah, la salope. Va laver ton cul, malpropre. Et ripé, Loupina, mais ça va, hein. Je vous en kikine. Oh, je l'aurais cette grognasse. Maurice, c'est mon nouveau, ma nouvelle insulte préférée. Putain, faut que je revienne dans 15 secondes, on a le temps de crever. Hein. Je reprends un coca, ça va faire du bruit. Hop. Allô, il retourne. Mais je vais te la fumer, la Cassiopeia, là, cette grosse morue. Oh non, ils ont tué Miss Grenichon. Tu veux avec combien, en fait? 12. Eh ben, on devrait l'avoir, cette grognasse. Ils sont 3 en haut, en bas, je veux dire. On a le temps de crever. Je suis où? Ah ben, je suis là. Allez, on tue les petits sbivires, là. Et maintenant, voilà, c'est comme ça qu'on fait la vie. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, je sais juste que je vais crever encore, voilà. Alors là, par exemple, quand on crève comme ça, comme une merde, les autres joueurs disent que vous feedez, en fait, c'est-à-dire que vous nourrissez l'ennemi, parce que plus on tue de champions, plus on augmente vite de niveau. Et là, je suis clairement en train de feed. Voilà, je fais de la merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il rira bien qui rira le dernier. On se fait chier hein, pendant que je réapparais pas.
Oh putain, ils sont en train d'attaquer la tourelle. Oh, ils vont nous pouillaver la tourelle. Oh là là, ils sont trois en bas. Non, ils ont tué la tourelle. Mais venez en bas là, les bottes aussi. Allez, 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 faut se les faire là. La concentration, je te dis pas. Voilà, on a tué cette grognasse. Allez, boum, bim. Boum, bébé. Morgana! Ça irait pas de bac, Morgana. Eh bien non, tu vas juste mourir. Voilà. Allez, bim, j'en ai tué trois d'un coup, là. Enfin, je crois. Putain, les sbires qui suivent pas, ça me saoule, ça. Allez, on y va. Vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma hache tire beaucoup plus vite qu'avant. Grâce aux items. Ripel Lupina, Ripel Lupina. Je vous emmerde. Ah mais ok, ils sont encore tous en bas en fait. Putain, mais on n'a pas fini. Hein. Viens par là. On va se soigner pendant ce temps-là. On va aller prendre un sandwich. Mais qu'est-ce qui c'est, elle? Oh non, elle m'a tué. Ça donne quoi? 40 d'attaque. Allez. GG. Merci. Merci, GG, je sais pas quoi, mais là. Ripé Lupina. Mais vous êtes méchants! En même temps, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Pourquoi je peux pas l'acheter? Ah, j'ai plus de place. Oh. Ah merde, la tour Eiffel. Et du coup, attendez, je vais vendre ça. Non, je le vends. Je sais pas comment je le vends. Quand je le vends, hein. J'en sais rien. Bon, allez, on retourne taper du méchant, là. Les méchants, on va vous frotter le fessard. Voilà, bim bam boum. Boum bim bim bam. Viens là. Voilà, ça c'est fait. Dommage. Je le veux. Je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il a cru que c'était la fête du slip ou quoi? On l'aura, j'ai dit. Voilà. Bon. Maintenant, on y retourne. C'est où que notre tourelle est morte? Ah, c'est là, d'accord. En fait, je faisais ma trop fière, mais je crois qu'on va crever comme des merdes. Laissez tomber, on va crever. Mais on y va. Allez mes petits sbires, faut aller taper là. Oh putain. Je m'avais pas manqué lui. Je m'avais pas manqué Tariq. Je vais me faire défourailler, par contre je suis toute seule. Ah non, c'est bon, on est trois. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'y retourne en plus, hein. Mais non, il m'a étourdi. Non. Ouf. Et j'y retourne, mais c'est la meuf qui comprend pas, c'est... Bon, là, je vais crever par contre. Ouais, je vais crever, je pense.
Voilà. C'est qui m'a tué? Ah, c'est lui. C'est Vladimosh. R.I.P. Lupina. Je vous emmerde. Non, je vais pas. On va crever, je voulais dire qu'on va perdre. Voilà, voilà. Du coup, on va s'orienter vers la soif de sang, n'est-ce pas? Un dodo n'a jamais froid. Comment je fais pour le vendre? On peut pas le vendre. Ils disent prix de vente. Est-ce qu'on doit pouvoir le vendre? J'ai pas de vendre. Allez, c'est un objet de départ là, on s'en fout. Regardez comment elle va vite. Ripé, Lupina, mais je veux que ça se crougnigne. Ce que j'aurais retenu de ce jeu, les innombrables morts de Lupina. Ouais, bah je suis morte que 13 fois, ça va. Hein. Voilà, ça c'est fait. Allez, on y va maintenant. Hein. On a assez perdu de temps. En même temps, comme je vous ai dit, je sais pas jouer, donc faut pas trop m'en vouloir non plus. Hop là. Allez, Miss Grenichon, on y va là. J'ai l'impression de crier, je suis désolée si je crie. J'aurais bien aimé. Bah, de toute façon, je ferai un. Par let's play, parce qu'on peut vraiment faire de let's play là-dessus, mais je ferai un épisode avec Ruru sur ce jeu. Oula, on se dégage du cercle. D'où elle est insensible au sort, cette grognasse. Tu vas mourir, de toute façon. T'es morte, Morgana. On baise, Morgana, voilà. Maintenant, on va casser l'inhibiteur. Je suis niveau 16. Tranquille. Oula, par contre, on va reculer là. Non! Ils ont tué ma copine. Les ultes. Hop. Et mon ult, en fait, il les silence. Donc. Silence, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus lancer de sort pendant un certain moment. Par contre, là, il y a la grosse morue là. On va dégager. C'est bon, elle nous suit pas. Et j'y vais, hein, je cours vers la mort, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai plus beaucoup de vie et j'y retourne. Laisse tomber, j'ai plus de mana, j'ai plus rien. On va se casser, en fait. On va back tranquillement, on va prendre plein d'objets tranquillement. Et on va revenir leur défourailler l'anus. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et elle a failli me tuer, l'autre morue. Mais ça coûte cher. On a un gros cher. 2000, allez, il m'en faut encore 1000 pièces. Ils aiment bien aller en bas. Hein. Ces espèces de petits cancres là. Repose en paix. C'est tout ce que vous allez dire du truc, quoi. Repose en paix. Je vous jure. Allez, faut la baiser, elle, Irelia, là. Je l'ai raté. Ah non, c'est bon. Ouh, allez, boum. Oh là là, elle m'a immobilisé l'autre morue. Vite, cours. Vite. Oh, elle m'a tué. Oh pis. Dommage! Qui ressort le plus du jeu? Ouais, ça fait combien de temps? Ça fait 37 minutes! Vous en avez peut-être marre en fait, vous voulez que je coupe? Vous me le dites, hein, vous voulez savoir si je perds ou si je gagne parce que. RIP Lupina encore une fois. Ça fait 37 minutes que la partie a commencé, je peux couper vu que c'est une partie perso, ce sera pas grave. Parce qu'en fait, dans LoL, si vous partez comme un connard pendant une partie, vous êtes pénalisé, en gros,
Il vous empêche de jouer à un certain moment, mais comme là c'est une partie perso qui n'inclut que moi et moi-même, ça me pénalisera pas. Donc si vous voulez que j'arrête, je comprendrai parce que c'est pas forcément intéressant. Mais j'avais quand même envie de vous montrer le jeu. Donc vous me dites et je fais. De toute façon c'est simple. Putain, mais et on était tout là-haut et on est redescendu en bas. Vous savez quoi ce que je vais faire? Moi je vais push mid. Ça veut dire qu'en gros je vais aller au milieu. Et je vais les niquer. Voilà, on va faire ça. Hein. Ils sont tous en bas. Bah nous, on va aller en haut et on va les pouiller avant haut. Vous me dites. Hop. Allez, on y va. On va casser cette tourelle. Oh putain, il y a Vladimoche. Non, c'est bon, Vladimoche s'occupe de l'autre. Boum, boum, boum. Putain, il y a Vladimoche qui arrive. Vladimoche, je t'ai vu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est invincible ? C'est ça ton sort ? Je m'en fous, t'es mort. Hop ! C'est moi. Juste casser cette foutue tourelle et ensuite j'arrête. Oh la morue ! Elle m'attaque par derrière cette salope ! Oh, Morgana le merde. Non mais ils sont invincibles ! Bon, merde alors. Ah, je suis niveau 18, c'est le dernier niveau du jeu en fait. C'est ce qu'on va voir. Mais peut-être bientôt à la fin les amis en fait. On est en train de leur défoncer la muse là. Hein. Allez, on a presque fini. Bon, je ne vais pas m'amuser à compter les riploupina, il y en a trop, je pense. On voit le stun. Dommage, c'était raté. Là. Si je meurs encore une fois, je quitte. Voilà. La boucherie là. Boucherie chevaline les mecs. Hein. Allez, bim bam boum. Allez, on a gagné les mecs. Voilà! Je suis morte 8 fois, je crois, ou 9 fois. Je vais pas compter les riploupina. Allez, on a gagné. Bon. J'espère que... Moi, je me lasse pas de te voir mourir. Merci, Maki. Ça me fait plaisir de me sentir soutenue. Alors, j'ai tué 22 fois. Je suis morte 8 fois. Et j'ai aidé 2 gens à faire mourir d'autres champions. Bon, bah, c'était pas si mauvais, hein. Lol. Je pense que je devrais la rejouer. Bref, on va quitter. Oui. Et maintenant qu'on a bien fait mourir les gens, on va détruire l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je relis les commentaires avant. Alors, brum brum brum. C'est sur Steam. Ah non, j'ai jusqu'à, on dirait, hydromel. Voilà. Bon, je peux aller jusque-là. Peggy 18. BOD, donc ce n'est pas sur Steam, je l'ai dit tout à l'heure. Peggy comme Peggy la cochonne, de mieux en mieux, ça s'arrange pas. Le problème dans ces jeux, c'est qu'il y a tellement d'effets de baston partout que tu t'y perds. Oui, je suis d'accord. Je m'y perds. Le live bug, Vipère est morte. C'était quoi ce bruit que t'as fait? Je ne sais plus. Il est devenu payant? Non. Gna gna gna. Si par exemple on fait plein de games dans le jeu, ça nous fait gagner des pièces. Et c'est les mêmes quand on achète, on n'a pas besoin de payer. Alors non, en fait, il y a les Rio points que tu payes
Et les pays, je sais plus la traduction. Les pays, tu les gagnes en les pièces in-game, je pense, je sais pas. Les pays, tu les gagnes en jeu et les rios de points, tu les achètes. Mais c'est pareil, quoi. Tu peux payer soit avec des pays, soit avec des rios de points. Donc c'est selon si t'es pressé ou pas. Donc pas besoin de payer notre poche, c'est ça. Faut juste que tu fasses des games. Et moi, j'ai pas fait énormément de games et je suis déjà à 7000 pays. Donc je peux m'acheter plein de champions. Après, plus le champion est récent, plus il coûte cher, normal, hein. Genre le nouveau là, au rayon sol, il coûte 7300, on s'en fout. Alors, je suis pas encore morte. Ouais, bah, dis donc, c'est un début de game. Hein. Je vois pas l'intérêt, oui, bah chacun ses goûts. C'est pas mal quand tu connais, défonce-leur leur race. Un refresh. Gna gna gna, y a pas grand chose à faire, oui, bah c'est vrai, vu comme ça. Au pire, je t'ai baissé. Sa coupe, elle est morte, you. Nanana. C'est vrai que Coin-Coin parle pas, elle a peut-être buggé ou peut-être qu'elle est partie parce qu'elle a saoulé. Alors c'est parti pour les RIP Lupina. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh, je suis morte que 8 fois, hein, vous exagérez. Je sais qui c'est la morue, c'est la bimbo, elle veut prendre sa revanche car tu l'as virée de la villa. C'est vous qui l'avez virée, hein, c'est pas moi. Non mais. Mais il y a trop d'RIP là, j'arrête de compter. Hein. C'est horrible. Vous m'en avez fait au moins 20. Bref, tu mens, tu es morte 260 fois. Ce serait un peu triste quand même. Bon, moi je vois plaque. C'est quoi tous ces smileys? Là, regarde, tu m'éclates les oreilles le son. Izette, Smart Security, on s'en fout de ta vie. Alors. Quelle heure? Il est 20h57. Ah, ça va, je suis pas du tout à la bourre. Alors, on va faire un mode solo, jeu principal, c'est parfait. On va jouer une bactérie parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et bah, c'est parti. Je sais pas, je me sens plus. D'accord, donc on va jouer en. On joue en quoi? Dites-moi. Je vous préviens, c'est très dur comme jeu, mine de rien. Repose en paix dans les entrailles de la bimbo. Dégueulasse. La pauvre, elle a rien demandé en plus. Dans les champs de la bimbo. En fait, Miss Fortune, c'est la bimbo. Miss Grenichon. Elle peut contenir 10 personnes là-dedans. C'est un chic. C'est dégoûtant, les garçons. Bon. On va jouer normal. Je pense que je vais perdre. Alors, le virus s'appellera Lupina, évidemment. Vous êtes une nouvelle bactérie. Pour gagner, il vous faut évoluer et vous propager dans le monde en un avion. Magnifique avec le bonbon qui sortait de la bouche. L'humanité avec l'épidémie ultime. Il faut donc sélectionner un pays de départ. Je vais prendre le Groenland et on va commencer tranquillement. Alors, il faut cliquer sur les boutons au bon moment pour gagner des points d'ADN. Avec les points d'ADN, on pourra développer notre bactérie et tuer les gens. On va accélérer le temps parce que, en fait, on s'en fout. Enfin, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grande action, quoi. Moi, j'en fous. Je commence à me propager. Ouh là là. Et c'est chaud parce qu'en fait, il faut se propager bien gentiment sans que les gens sentent qu'on est dangereux et ensuite vraiment achever le monde, quoi. Mais c'est pas évident. Déjà 40 points. Alors, on va faire en sorte qu'ils se transmettent. Donc, on va prendre le sang.
L'eau et l'air. Hop, voilà. L'épidémie Lupina. Oui, alors. Désolée, je vais manger. Bon appétit, Alexis. Sympa le jeu, tu fous une maladie. Oui, le but, Edouard, c'est d'éradiquer l'humanité. Alors, quand t'es vénère contre quelqu'un, ça peut être un bon défouloir. Voilà, j'ai infecté plein de gens. Moi. Ça y est, on arrive en Norvège. Oui! Oui! Ah non, par contre, je veux pas de nouveaux symptômes parce que sinon ils vont plus vite me tilter. Donc on annule l'évolution. Hop. Bon, une partie peut être relativement rapide si je me trompe pas. Dis pas de conneries. Ouin, c'est trop bon, on dirait des puces. Dégueulasse. Allez, allez, allez. Ah, on est arrivé en Russie. Ça, c'est bien. Ça, c'est la vraie vie. Et presque 50 000 contaminés, hein. Dis donc, si les abonnés de notre chaîne YouTube pouvaient monter aussi vite, je peux te dire que... horrible ce que je dis. Un tsunami, voilà, on s'en fout du tsunami. Lupine a infecté de nouveaux pays. Tan tan tan. Allez, faut que ça aille plus vite. Non, je veux pas de symptômes, j'ai dit. Hop. Transmission. Faire un truc genre résistance au chaud et on peut plus rien prendre. Parce qu'en fait, plus vous prenez des trucs, plus les trucs à prendre plus tard seront chers. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais. Bon appétit, Alexis! Alors, je vais manger. Sympa le jeu. Bon. Trop bien, n'est-ce pas? On commence à bien infecter partout là. Ouah, on arrive en France. Mouah. Désolée pour ça. On s'en fout. Faut le faire vite parce qu'en fait après ils peuvent chercher un remède. Et oui, Jamy. Et du coup, quand ils cherchent le remède, bah on est dans le caca. Et là, la tuberculose. Ils s'en foutent. Quoi? Il y a déjà des morts? Ils sont morts de quoi? J'ai même pas de symptômes. What the fuck? Je sais pas, j'ai tué des gens, mais. Mais je sais pas pourquoi. Nausée. Non, je ne veux toujours pas de symptômes. Dis, hein. T'as des symptômes plus. Allez là, faut coloniser l'Afrique là! Regardez la Russie, on dirait un gros pustule là. Ça dégoûte, hein. Hop. Allez, allez, allez. Lève les bras en l'air. Ça y est, on arrive en Afrique. Ouh. Ouh.
Pas vraiment tout infecté. Les moustiques. Non, attendez. Pas résistant au froid aussi. Hop. Allez. C'est parti, regardez la barre rouge, comment elle augmente. Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne racontez rien. D'accord. Vous êtes tous cassés parce que je dis, en fait, c'est pourri son jeu. Est-ce que ça marche au moins encore? On avance tranquillement, hein. Regardez le nombre d'infectés. Waouh! J'imaginais qu'en fait, ça se trouve, on a vraiment des maladies comme ça totalement anodines qui un jour pourraient muter et en fait tous nous achever. C'est chaud, hein? Ça me fait penser à Walking Dead, mais je. Enfin. Si vous avez vu la première saison et la deuxième, en fait, ils se rendent compte que c'est pas juste en mordant que on peut devenir un zombie, mais que c'est juste en mourant. Donc ça voudrait dire qu'il y avait quelque chose déjà en eux qui font qu'ils bah, ils deviennent zombies quand ils meurent. Voilà, c'est passionnant. Hein. Du coup, ce jeu est soporifique. D'accord, Maki, ça c'est fait. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas très intéressant. Mais je vous ai dit, c'est quelque chose de rapide. Donc, normalement, vous voyez comment c'est rouge là. On a bientôt. On a bientôt contaminé tout le monde et il nous suffira juste de les tuer en fait. Je pense qu'on devrait gagner techniquement. Allez, on y croit! Pour le moment, anémie. Non, 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 pas de symptômes. Toujours pas de symptômes. Oups. Hop. Pour le moment, ils sont toujours pas réveillés le cul. Hein. Tout le monde est contaminé, presque. Vous avez vu? Je suis en symptômes. Oui, j'en avais un, mais moi, j'en ai plus. Donc on n'a plus mettre de symptômes. Allez, l'Afrique, dépêche-toi. Toute la planète est bientôt contaminée, c'est trop beau. Regardez comment le nombre de personnes saines descend. C'est beau. Allez, un petit effort. Un petit effort. Allez, l'Afrique, là. Hop, hop, hop. Je suis en mode. Symptômes, je vais toujours pas. Je mon souffle, c'est la première fois que je réussis en fait. En mode normal, j'entends. Toujours pas réveillé le cul donc. Ah. Lupina doit évoluer pour tuer. Oui, je sais, mais d'abord. D'abord, je les encule. Ensuite. C'est horrible ce que je dis. 2 millions de personnes saines, 1 million. Comment ça descend? Un truc de ouf. Un truc de ouf, ouf. Il se passe quoi à la fin? Bah à la fin, tu vas voir, je vais commencer tout de suite à muter. Donc alors, les kystes prendre des trucs horribles. Hop. Hop. Donc j'ai pris arrêt des organes, coma, paralysie, enfin des choses atroces en fait. Qui font que ben, les humains ils pourront même plus. Comment vous dire ça? Ils pourront même plus trouver un remède parce qu'ils seront trop. Voilà, allez go. Et là tu vas voir que les morts vont bientôt mourir. Ça ne voulait rien dire.
Première mort confirmée, voilà. Voilà, donc tout le monde est contaminé. Donc maintenant, il ne nous reste plus à attendre que tout le monde meure. Regardez comment ça meurt vite! Oh la vache! Oh! Et en plus, ils mettent des infos du monde, genre recherche concentrée. Ça y est, ils recherchent le remède, regardez, 11%. C'est bon, vous êtes morts, les mecs, laisse tomber, hein. Laisse tomber. Hop. Regardez comment ça monte vite. Regardez comment on les tue vite. Les mecs, ils sont en train de tomber comme des bouches. C'est même plus des mouches. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont en train de tomber, de s'effondrer. Backland, tous les pays sont en train de s'effondrer, en fait. Oh, la violence. C'est quoi ce jeu malsain? Mais je t'ai dit, Maki, si un jour t'es vénère contre quelqu'un, bah tu joues à ce jeu, tu éradiques l'espèce humaine. Et voilà. Ils sont bientôt tous morts, regardez. C'est horrible. C'est horrible. Je sais même pas quoi prendre tellement c'est... Allez, oh. On finit vite fait. Ouah. Ils sont tous en train de crever. J'ai bien mis un normal, hein, parce que... Il est pas du tout glauque, ce jeu, mais il devrait te faire plaisir, Edouard, toi qui aimes les trucs glauques. Faut carrément être vénère contre l'humanité. Bah, quand on lit ce qu'on lit, des fois... Et voilà, j'ai réussi à éliminer toute vie sur Terre. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'étais peut-être pas top. J'ai tué le monde en 1557 jours. Je pense que c'est pas mal. Pas mal du tout. J'ai géré la fougère, bon. Gna gna gna. Oh, c'est cool, je peux jouer un virus maintenant. Bref. Adieu les jeux vidéo. Alors, pourquoi tu dis ça? Attention, cette série n'est créée que dans un but purement parodique et caricatural afin de vous divertir. Bon visionnage. Une villa. Perdue dans Windenberg. Va accueillir 8 candidats. Ils auront tout à disposition. Sport. Spa. Shooting photo. Cuisine. Danse. Un extérieur de rêve. Et une salle des défis. Ils sont 8. À vous de décider qui restera. Chaque semaine, votez pour 2 candidats qui partiront. Et chaque semaine, proposez vos candidats. Alors, je vous rappelle que là... Ah, t'es là depuis le début et tu dis rien, toi. Oh, bravo. Mais très bien, merci. Alors, la semaine dernière, nous avons tué beaucoup de gens, des pauvres. Nous avions décidé que Marc et Gégé sortirent ensemble, donc ils sortent ensemble. Raspoutia vous saoulait, donc elle est devenue une femme de ménage. Et Dog, que dire de Dog? Que dire de Dog? Bah c'est Dog quoi, hein. Oui, on voit ta Raspoutia, elle est là, Edouard. Re, ça te plaît. Bon, alors du coup, il y a du nouveau. Puisqu'en fait, on avait ajouté à la fin du live ce magnifique spécimen. Si tu veux bien te lever. Comment il s'appelle déjà? S'appelle Mafioso le Mafieux, voilà, donc magnifique.
Ce magnifique spécimen de... J'arrive même plus à trouver le mot. De proportion magnifique. Hein. Le pauvre, j'ai envie de dire. Non, mais plus personne va mourir là. Plus personne meurt. Ensuite, on m'a envoyé un autre Sims. Donc, il s'agit de la sœur de Dog qui s'appelle Chihuahua. Par contre, je vous préviens, accrochez votre slip à votre caleçon. Parce que c'est Alexis, quoi. Hein. Regardez ce qu'il vous a fait. Chihuahua, tu es horrible. Pour info, elle fait un duck face en boucle, en fait. C'est magnifique, hein. N'est-ce pas? J'ai pas dit, vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien le jeu, au fait? Parce que c'est bien gentil de blablater. C'est atroce. Chihuahua, tu es horrible. D'ailleurs, Chihuahua, tu vas venir ici. Et toi aussi. Et toi aussi. Hop. Et vous n'êtes pas censé être dehors. Et enfin, Sabrina m'avait demandé de faire ma personnage de Black Desert Online. C'est quoi de Dora? Bah, c'est Chihuahua, hein. Je vais demander de faire ma personnage de Black Desert Online en Sims, donc la voici. Bon, malheureusement, elle n'a pas les yeux verrons puisqu'on peut pas le faire sur les Sims. Donc, vous allez voir quand elle sera en tenue de sport qu'elle est très musclée. Un bonhomme. Donc, voilà les trois petits nouveaux. Je sais pas qui est le pire entre Chihuahua et Dog, mais je pense quand même que c'est Chihuahua. Et puis, bah, Mafioso, on lui en veut pas trop parce qu'il est juste mal formé, mais elle est juste moche, voilà. Donc, sinon, j'ai eu un défi d'Alexis Da Silva qui m'a dit, qui m'a demandé, bah, je vais vous le mettre en fait, puisque, oula, Skype, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, Skype. Tout le monde a vu mon Skype, c'est magnifique. Donc, attendez que je remonte la conversation pour pouvoir avoir l'image. Pour vous montrer son défi, que je vous le dise dans les termes exacts. Parce que je ne suis pas douée, je m'en souviens pas. Donc, en gros, Alexis m'a proposé que on allait de faire un Sims qui ne devait pas être remarqué par les autres. Donc, dans le chat, donc vous allez me dire des défis. Par exemple, cette nuit, il va dormir dans le dortoir avec les autres. Et il faut que les autres Sims ne le remarquent pas, qu'ils ne lui parlent pas, etc. Bah, vous pouvez lire si vous voulez. Je dois évidemment pas supprimer les portes. Sinon, c'est pas drôle. Donc j'ai préparé ça vite fait. Je pensais que le Sims Mystère, ça pouvait être par exemple Dalina ou Chihuahua. C'est comme vous voulez. Sachant que moi, je veux que Dog drague cette magnifique créature. Donc Chihuahua ou Dalina se fait passer discretos dans la villa. On va faire comme s'il ne l'avait pas vu. Hein. Et voilà, pendant ce temps-là, je vais m'occuper des autres. Toi, t'as faim, donc tu vas aller manger un bout. Hop. Toi, t'as envie de dormir, donc tu vas aller copuler avec ton homme. Et puis après, au dodo. Hein. Hop, ça c'est fait. Et Rasputia. Elle était censée devenir la femme de ménage et elle avait son petit studio ici. Ce qu'on va faire, c'est que la place ici, ce sera la place où sera le Sims Mystère. Et toi, bah, tu vas aller manger aussi. Hop. Vous m'avez toujours pas dit, je sais pas si ça bug ou pas, mais vous m'avez pas dit qui vous vouliez qu'il soit le Sims Mystère entre Chihuahua et Dalina. Tu vas aller ici. Donc choisissez, votez, éliminez le maillon faible. Les cheveux vont dégager vite fait, moi je vous le dis. Le prochain live, les mecs, vous pouvez vous attendre à ce qu'il n'y ait plus de cheveux. Voilà. On s'en fout. Alors,
Choisissez, s'il vous plaît, et mettez dans le chat. Bon, pour l'instant là, Dog est en train de manger, donc Mafioso, tu vas venir ici. Hop. Ah bah non, du coup, Mafioso, tu vas venir là. Est-ce que vous m'entendez au moins? Parce que là, ça me fait peur. Celle-là a une bouche bleue pulpeuse. Oui, celle qui a la bouche bleue pulpeuse, c'est Chihuahua, la sœur de Dog. C'est Alexis Simsprout qui l'a fait, tout comme Dog, celle qui a les cheveux roses. C'est une pure beauté. Mon Dieu. La meuf au sein plus gros que le monde. Elles ont toutes les deux des gros seins, donc... Ouais, bon, j'avoue, celle-là, elle est... Donc vous voulez que Chihuahua soit la Sims Mystère? Oh là là, SMS Mystère, oui bien sûr, Loupi. La Sims Mystère. Pour l'instant, je vais prendre un coca. Coca, coca. C'est sexy, n'est-ce pas? Mon Dieu, je sais pas ce qui est le pire là, les tongs chaussettes, comment ça se passe? Ah, est-ce que tu peux discuter avec Dog? Vas-y, non, pas les nuages, on s'en fout. Non, on s'en fout! Complimente là. Ça se poussière à faire le ménage. Et oui, dorme, comment ça se passe? Mais dors, toi! Je suis en décalage avec le live. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous êtes en décalage. Que vous soyez en décalage, pardon. Donc, eh bien c'est parti. Dog sera la Sims Mystère. Dog, n'importe quoi. Chihuahua, tu vas aller là. Hop, et Dalina, tu vas rentrer dans la maison comme si tout était normal. C'est moi où l'eau est figée en fait. On dirait trop qu'elle est figée, c'est trop bizarre. Waouh, c'est beau. Bref, on va arrêter de s'extasier devant le truc. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, c'est toujours la même question. Voilà, donc un petit aperçu pour Sabrina, j'espère qu'elle te plaît. J'ai évidemment pas réussi à le faire exactement pareil, mais bon, entre l'éditeur de Black Desert et l'éditeur de Sims... Alors... J'avais dit que eux deux allaient fortement copuler. Que lui, ce serait la première victime de Dog, si on peut dire ça ainsi. Je viens d'avaler le bonbon sans le mâcher, c'était très bizarre. N'oubliez pas de m'envoyer des défis pour Chihuahua, si vous voulez qu'elle fasse quelque chose de particulier. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh la vache. Oh, Alexis, il l'a pas raté, hein. C'est horrible, et puis surtout... Oh. Et je rigole, mais ça se trouve, on sera comme ça dans plusieurs centaines d'années. Nos descendants, ça se trouve, ils seront comme ça à force de faire ça sur les photos, là... C'est pas possible, quoi. Horrible. Horrible. Mais. Taisez-vous, Facebook. Je sais, c'est des lucioles. Oh, elles sont trop belles. Oh, c'est trop beau.
Waouh. Ouah, c'est beau. Bref, on s'en fout. Ma petite chihuahua, ma chérie. Alexis, t'as vraiment pas de quoi être fière de cette chose. Alexis, je sais pas si t'es là, mais en gros, Chihuahua a été désignée pour être la Sims mystère, donc elle ne doit pas se faire remarquer des autres dans la maison. Donc, il faut que vous me fassiez des défis, comme par exemple qu'elle aille dormir quelque part ou etc. sans que les autres la voient. Donc n'hésitez pas à me donner des défis, n'hésitez pas à me dire quoi faire, puisque je vous rappelle que c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez ce que je fais. Donc à un moment donné, il va falloir me dire des choses à faire. Parce que bon, oui, il y a sa sœur dans la maison, mais justement, sa sœur peut penser qu'elle n'est pas là. Et du coup, ça peut faire des micmacs. On ne veut rien dire ce que j'ai dit. Bon, du coup, elle est en train de draguer Mafioso. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie qu'ils aient un gosse ensemble pour voir à quel point il est moche. Re-coin-coin! Mais c'est pas possible! Facebook, ta gueule! Pardon. Vous savez ce qu'on va faire? C'est que je vais. Non, si je ferme, ça va tout me chouiller. Vous voulez vraiment qu'il fasse un enfant? Il va être moche, hein? Oh, oh qu'est-ce qu'il va être moche, le pauvre! Et Dalina qui est en train de les regarder, en train de se draguer, c'est magnifique! Allez, premier baiser. Oh oui. Et ensuite, le bisou. Et enfoncer son concombre vert dans sa miaou rose. Doucement quand même, Alexis. Ah, doucement. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas responsable de ce massacre. Alors, est-ce qu'elle va lui foutre un râteau? Je suis restée correcte. Oui, je sais. Mais c'est au cas où tu ne le sois plus. Il y a combien de Sims? 2, 4, 6, 7. Oh, bah c'est parfait. Il reste juste assez pour un pchot, dis donc. Alors, qu'est-ce que je fais là? Et on s'en fout. Je veux qu'ils craquent-craquent. Ils peuvent pas craquent-craquent. Allez, un bébé dans le bain, remous là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est moche. Oh, pauvre dog. Oui, c'est trop moche. Qui c'est qui sonne? Mais on s'en fout de toi. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle aime pas faire le ménage? Non, tu n'iras pas dormir ici, Rasputia. Et si on faisait que Rasputia et Dalina fassent connaissance, tout va bien, machin. Raconter une blague sur les vampires. Ce serait cool qu'ils en remettent des vampires. Oh, ça y est, ils baisent. Oh, pardon. C'est un chic. Ta bouche est faite pour. Voilà. Ah oui, Rasputia, la pipe. Oh. Coin, coin, tu te calmes. Parle de la cigarette. Ouais. Elle est encore là, celle-là. Fais attention, Alexis, puisqu'il y a Edouard. Et Edouard, c'est quand même sa Sims. Hein. Pourquoi elle est embarrassée? Oh! Mais regardez comme il est moche, le pauvre. C'est horrible. Mon Dieu. Alors, bon, bah, tu vas faire un test de grossesse. Si t'es pas enceinte, et bah, t'iras brûler. Voilà. Allez. Ce serait marrant qu'ils mettent les deux meufs enceintes. Le couple so perfect.
Ouais, c'est ça, en fait. Il est très sensuel. Ouais, j'aurais peut-être pas dit ça. Elle est enceinte ou pas? Oh non! Bon, bah, on va la brûler. Voilà! Voilà, voilà, je l'avais dit, Alexis, hein, si elle était pas enceinte, on la brûle, donc du coup, bah, on la brûle. Allez, hop, au placard, tu vas te faire brûler. Et du coup, lui, il ira baiser sa sœur. C'est dans le chic. Non, on la brûle pas, non. Bon, d'accord, on retente une fois. Essayer de faire un bébé. Allez, go. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est moche. Mais ça va, elle a un beau corps en fait. C'est juste sa tête qui va pas. Surtout là. Oh non, mais regardez-moi ce faciès. Ce faciès. Ce n'est pas possible d'avoir cette tronche. Bref. Je ferai un clone. Tu dois déjà faire le frère. Allez, faites un bébé. Allez hop. Au petit galop là. Youp youp. Re, j'ai manqué quoi? Alexis, tu as manqué la copulation entre Dog et Mafioso. La venue de... Le Chihuahua qui est donc le Sims Mystère. Et Chihuahua, tu vas aller au cabinet. Oh là la pauvre. Et de Dalina qui se fait chier en fait. Rasputia, tu ne vas pas parler avec... Non, tu ne vas pas là. Je vais parler avec Dalina. Allez. Zou. Et eux deux, vous allez recopuler. Hein. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors, ils copulent ou bien? Allez, copule. Bon, tu vas faire ce test de grossesse. Allez, go. Mais on s'en fout de tirer la chasse. Oh, c'est bugué. C'est génial. C'est génial. Oh, c'est bugué. What the fuck? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça me saoulait ça. Allez, va faire ce test de grossesse. Mais c'est pas possible. C'est moi où elle est buggée? Germaine, tu vas faire ce que je te dis à un moment donné ou comment ça se passe? Allez. Mais casse-toi, toi! Oh, mais j'hallucine! Ah! Elle est enceinte, cette greluche! Bon, allez, va dormir après, hein. Quoi? Oh! My God! Hop! Oh là là, ils sont tous à moitié morts, là, les pauvres! Hop, et pareil, tu vas aller là-bas. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Elle est trop belle, la blonde. Eh bien, merci. C'est Sabrina Queenstone qui m'avait demandé de refaire ma perso de Black Diesel. Black Desert Online en Sims. Ensuite, qu'est-ce que vous dites? T'as changé la coiffure de Chihuahua. Alors oui, je suis désolée en fait, je l'ai changée parce que c'était la même que Dalina et ça me perturbait. Voilà, désolée, excuse-moi. Mais je trouve que ça lui va bien. En plus, ça fait un léger dégradé, c'est bien dégueulasse. Ensuite, chute la mienne, elle est sexy. Les deux aux cheveux roses sont ultra moches. Oui, c'est le but. Mafioso, en fait, est difforme. Voilà. Voilà le bonhomme. Magnifique, n'est-ce pas? Je lui ai dit d'aller manger et dormir, mais il s'en carre la babouche.
Lui, c'est bon. Lui. Voilà, ils font pas du tout ce que je demande. Il va pisser. C'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que vous disiez? La mienne est sexy, elle est en cloque. Youhou. Du coup, Loupi, tu les feras déménager comme Gisèle. Je sais pas. En fait, je pensais peut-être les faire déménager tous les trois avec Chihuahua. Et comme ça, ils mettraient en cloque les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Le mec aux cheveux roses, il est horrible. C'était le but. Hein. Je l'avais fait à la fin du live la dernière fois. Et ce qu'on pourrait faire, c'est alterner avec les familles. Genre, un coup, on va voir Richard et Gisèle. Ensuite, on va voir le trio. Ensuite, on revient là. Et ça pourrait être un peu sympa, c'est, si vous voulez. N'oublie pas Loupi pour le challenge que la Sims fantôme, tu n'as pas le droit de verrouiller les portes. Les portes sont pas verrouillées, t'inquiète, elle peut sortir. Elle me plaît. Bon, bah c'est le principal. J'hésitais à lui mettre cette coiffure en plus. Elle lui ressemble, c'est vrai, tu me l'avais dit. Oui, je te l'avais dit pour Dalina. C'est une bonne idée. Bon, bah si c'est une bonne idée, on va faire ça. Mais du coup, ce serait mieux que ce soit Dalina la Sims fantôme. Du coup, faudrait refaire le challenge, mais bon. Pas grave. Ben, vous savez quoi, ce qu'on va faire? On va tout de suite faire déménager les deux Kekos, là, enfin les trois Kekos, dans une maison, puis on va jouer un peu avec eux. Et ensuite, on ira un petit peu s'il nous reste du temps avec... Ben, s'il nous reste du temps, on met très vite, parce que bon, il n'y a plus beaucoup de temps du tout. Gérer le foyer. Alors, un nouveau foyer. Donc, on va mettre elle. Oh my god, ça va être la famille des gros moches. Limite, on pourrait mettre Rasputia aussi. Et puis, ça ferait une belle brochette de moches, j'ai envie de dire. Oh, oh my god. Est-ce qu'on met Rasputia avec? Et comme ça, elle fera aussi des enfants avec lui. Allez, vas-y, on la met. On s'en fout. Oh mon dieu. Du coup, est-ce que je les ai placés? D'où elle est déjà adulte, la gamine? Wouah. Tu vas te calmer tout de suite le jeu. Je suis pas d'accord qu'elle soit déjà gamine, la gamine. Ok? D'accord, c'est parce que j'ai mis l'âge automatique. Là. Non, on va pas les faire vieillir, on s'en fout. Voilà. Du coup, je vais les placer. Donc, on va placer eux ici. Hop, on leur fera grandir leur maison. Au pire, je ferai les maisons. Je ferai la maison. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les maisons hors caméra. Et on jouera avec eux la prochaine fois. Du coup, là, on va jouer avec... Bah, il n'y a plus grand monde, en fait. Il n'y a plus grand monde, donc... c'est ma Rasputia tranquille. Trop tard, Edouard. Rasputia sera livré à avoir un bébé avec Mafioso et... et les sœurs. Les sœurs chiens. Les sœurs chiennes, même. Du coup... N'oubliez pas de m'envoyer des Sims dans la galerie en mettant le hashtag Loupina Live. Et aussi pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à la galerie, vous pouvez m'envoyer par Skype des idées. Par exemple, bah, j'aimerais bien que tu fasses un Sims comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, etc. Je go dans le jeu faire un nouveau Sims. Parfait Alexis, fais-nous le frère de... Fais-nous le frère des dogs et ce sera magnifique. Donc, du coup, il faut... C'est vrai, j'aurais pu les laisser, désolée. J'y ai pas pensé, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, par contre, évitez de me dire « essaye de faire telle star » parce que j'aime pas ça. Clairement pas. Ou telle personne, enfin je veux pas créer de personne en fait, à part éventuellement mes personnages dans d'autres jeux comme Dalina par exemple, mais sinon, un intérêt, qu'est-ce qu'il a lui? Il est nauséeux.
D'accord, alors il faut que Dalina aille prendre un jacuzzi. Donc tu vas prendre ton jacuzzi, ma vieille. Toi, je sais pas ce que tu fais. Ah, il s'est fait dessus, le pauvre. Eh, mais si vous m'écoutiez aussi. Toi, tu vas prendre une douche. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais pourquoi il est là? Oh, regardez, il y a les fantômes des Sims qu'on a tués. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Bah, du coup, on va pousser cette fenêtre. Hein? On va la mettre là en attendant. Voilà, si monsieur, tu veux bien rentrer. Allez. Ah, ça rame. Du coup, vous pouvez tout de suite m'envoyer des Sims, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez tout de suite m'envoyer des Sims dans la galerie, je les rajouterai dans la famille. Ça, c'est clair. Toi, tu vas prendre une douche. Ensuite, tu vas appeler des services. Acheter un service. Donc, le réparateur, la bonne. T'es tranquille dans le jacuzzi. Lui, il est où? Il est là, c'est parfait. Donc tu vas aussi. Et ça rame par contre. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais fermer Steam. Je sais pas pourquoi, mais il me stresse ce Steam. Voilà. Et ensuite, je vais sauvegarder. Les fantômes, ça serait bien que tu les rajoutes au foyer. Tu peux le faire avec le code. Ou alors tu dois monter l'amitié à fond pour pouvoir les inviter dans le foyer. Le truc, c'est que si je mets les fantômes dans le foyer, on pourra plus mettre de Sims en fait. Et le but, c'est que les fantômes se baladent un peu librement. Et comme ça pourrait être à la fin une maison hantée tellement il y aura de fantômes. Puisque le but, c'est de tuer les Sims en fait. Enfin, c'est pas le but de tuer les Sims, mais ça pourrait être marrant qu'il y ait plein de fantômes à la fin et que cette pièce-là soit remplie d'urnes. Ce serait. Enfin, moi, je trouverais ça cool. Après, si vous aimez pas, bien sûr qu'on ne le fera pas, mais c'est une idée que j'avais eue. Elle est où, elle? Elle dort là! Mais non, ne dors pas là! Tu vas être pendu! Ça ne veut rien dire. Alors, il est. Va manger, vite! On n'est pas tous juste un ou deux. Ouais, mais lequel? C'est ça la question. Elle doit manger très vite avant que l'autre arrive pour manger aussi. Ça va être chaud. Oui, Karina! Voilà, votre père, il l'a vu. Ah, la fille la plus nulle du monde. Mais non, ne va pas là! Arrête! Trop mauvaise. Viens manger là. Voilà. Alors, Loupi, tu fais la sœur et le frère de Dog et Chihuahua, prépare-toi. Aïe aïe aïe. Encore une sœur? Mais sont combien dans la famille? Ils ont une portée ou quoi? Quoi, tu vas manger? Histoire que tu aies une fantôme et que tu puisses faire les actions marrantes pour. Tu vas où, mec, en fait? Et il est con, ce type? Comment ça se passe? Mais pourquoi tu vas là? Non? En fait. Non? Mais non, mais n'importe quoi. Viens ici. Débile. Alors là, ils ont tous les deux vu, hein, le défi le plus pourri du monde. Enfin, le plus raté du monde, je veux dire, c'était pas une mauvaise idée, mais. Mais pourquoi ils font n'importe quoi, mes Sims? Elles sont 10 et la mère est encore en cloque. LOL! Ok. Papa. Bon, tu manges? Il nous saoule, lui, hein. Vous trouvez pas qu'il nous saoule, franchement?
Ensuite, tu appelleras un traiteur. Faire à manger. Et ce serait bien en fait que la. Merci, gna gna gna, elle arrivera à 10h. Eh ben, si elle pouvait se manier la courge, celle-là. Ma pauvre Dalina, t'as l'air complètement capoute, alors tu vas dormir après. Oi, 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 c'est dégueulasse. Est-ce qu'on en parle qu'elle vient de traverser le muret ou pas? Est-ce qu'on en parle? Tout va bien! Ah ouais, non, mais c'est dégueulasse ici, hein. Qu'est-ce que vous allez faire, vous deux? Bah, écoutez, vous allez engager un mixologue. Et puis, vous allez... Un mixologue, n'importe quoi, un DJ. Et puis, vous allez venir là. Hop! Faire un duel de danse avec... Ça marche pas, c'est cool. Tout semble réparé, c'est parfait. Alors, duel de danse, voilà. Avec Marc Solan. La mère a craqué son utérus à force d'un chic. Celle-ci aura les cheveux verts. Fais-nous toutes les couleurs. On fait ça aussi avec les cheveux bleus et puis les cheveux violets. Enfin, mauve. Vous êtes horribles, les garçons. Allez, hein, papa. Waouh, vous avez l'air super danseur, hein. Oh là là. Semble réparé et en ordre. D'accord, bah c'est cool. Je ne pas qu'il danse pas top. Non, Chihuahua, elle est bleu-vert. Pas pareil. Là, un chic. Je vais boire. On s'en fout, mais je vais boire. Voilà, c'est important de le dire. Je suis désolée pour le grincement de mon siège. Faudrait que je le change un jour, mais pas aujourd'hui. Alors, maintenant que vous avez dansé comme des canards... Et l'autre, elle a pas fait à manger, on va la claquer. Hein. Tu vas prendre une portion, toi. Toi, tu vas aller au cabinet. Et ensuite, tu iras aussi au cabinet. Dalina, ma choucroute, comment tu vas? Bah, tu dors, en fait. Oh, la pauvre lapine, elle est trop mignonne, en plus. C'est quoi ton Sims? T'as vu comment il danse? On dirait un pingouin constipé. Ouais, je suis d'accord. Danse bien, hein. C'est quoi ce smiley? Oh my god, ça m'a tué. Bon, vous arrêtez de danser là, les pingouins constipés. Allez faire ce que je vous dis. C'est pas possible, ces gosses. Bon, et elle, elle nous fait ses plats. Qui ça? Ah, sa femme de ménage. Pourquoi la femme de ménage est noire? C'est aléatoire ou comment ça se passe? Non, je trouve ça chaud quand même. Putain, ma Sims, elle a un faux air de Kim Kardashian. Oh my god. Qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as fait un cul énorme? On dirait la boîte de nuit de la maison de retraite. Exactement. Bah écoute, ils sont gentils, mais ils sont pas très doués, quoi. N'empêche, il est sexy, lui. Bon, il n'a pas cet air un peu blasé. Il est blasé, en plus. Ouais, il est blasé. À côté du beat. L'audience n'a pas l'air transportée. Ben ouais. Est-ce que c'est une raison pour tirer cette tronche? Et lui, il est inspiré par contre. Jeannot, je t'ai dit d'aller pisser. Il n'écoute pas. Elle a un gros cul, d'accord. Eh bien, on verra ça, Alexis. J'ai hâte, j'ai envie de dire. J'ai très hâte de voir le résultat, mais on les verra la semaine prochaine, du coup. Oh my god. Allez, allez, allez.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour la divertir d'Alina sans que les autres la voient, même s'ils ont déjà un peu vu, un peu mort, mais bon. Oh, que des chougouillous. Dites-moi ce que vous voulez que Dalina fasse pour se divertir. Et pas crac-crac. Parce qu'ils sont en couple les deux là. On va peut-être pas faire que de casser des couples. Hein, quand même. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des toilettes dans la villa. Tu nous saoules. Oh là là. Ensuite, bah t'iras dormir vu que t'es crevé. Et toi, Gégé, tu vas aller faire du sport, tiens. Et ensuite, t'iras dormir. Elle se hum-hum si elle fait pas crac-crac. C'est un chic, une orgie, c'est encore mieux. Mais on peut pas faire d'orgie dans les Sims, malheureusement. Je crois pas qu'il y ait de mode pour ça. Dommage d'ailleurs qu'on puisse pas faire genre des plans à trois ou des relations à plusieurs, ce serait marrant. Mais bon. On va déjà pas trop se plaindre puisque nos Sims peuvent être gays. Donc on va pas trop se plaindre. Enfin, ils sont surtout bi en fait, puisque si on suit les Sims, ils sautent un peu tout ce qui bouge. Hein. Je voudrais pas dire, mais. Tu vas prendre une douche, ma vieille. Hop. Et puis ensuite, bah t'as qu'à. T'as qu'à aller regarder la télé, voilà. Regardez la chaîne Humour. La polygamie dans les Sims 1, ça manque dans les autres. Il y avait vraiment la polygamie ou... Ou comment ça se passe? Allez, mange-toi le cucu. On s'en fout de se laver les mains. Qui se lave les mains après être aux toilettes? Franchement. Après avoir été aux toilettes, faut que j'apprenne à conjuguer les verbes. Hein. Vraiment, je sais vraiment. Putain, ça devait être bien. J'ai jamais joué aux Sims 1. En fait, j'ai voulu y jouer une fois aux Sims 1 animaux. Et ça avait planté, donc bah, j'ai laissé tomber. Ça devait être cool, du coup. Et coucou, comment allez-vous depuis le temps? Coucou, chérie coq! Je sais pas si je te connais ou si t'as un autre pseudo ou quoi, donc n'hésite pas à me rappeler. Parce que je suis blonde et j'oublie très vite. Et je m'en excuse. Elle sera pas habillée comme un sac. Ah! Bah ça change! C'est qui appelle? Non, on s'en fout de ta boîte de nuit pourrie. Hein. Alors, et si vous faisiez l'amour dans le placard? Hein, on va encore casser un placard avec vos conneries. Ce serait rigolo. Allez hop, au travail. Elle est au confessionnal. Elle raconte quoi? Elle raconte à quel point c'est nul ici. On se fait chier quand même. Hein. Moi, je préfère taper des monstres. Cette voix est trop pourrie. Du coup, ça fait cry-cry dans le placard. Regardez, ils vont péter les portes. Hein. Ce serait trop marrant qu'en vrai, il y ait des petits cœurs qui nous suivent. Ce serait un peu bizarre aussi. Imaginez, machin, t'as des cœurs au cul. Ça ne veut rien dire. Bon, je pense, Alexis, que ton défi est raté puisqu'elle s'est déjà fait voir par les deux mecs en fait, donc je suis désolée. Tu fais une sortie, tu sors jamais. Alors si, on est sorti la dernière fois, on est allé à la discothèque, je te signale. Du coup, Dalina, tu vas venir là, ici, et toi tu vas la prendre en photo. Hop. Il veut bien se manier la courge. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le train? Prend le train. Viens là, Pécor! Alors, choisir le décor. Non, bah ça c'est bien, c'est très très bien. Et puis, bah tu vas prendre une photo. Tu te dépêches.
Oh my god, c'est quoi cette pose? Non. C'est pas possible cette tête. Comment on fait pour lui faire prendre la pose en fait? Comment ça marche? J'ai jamais compris comment ça marchait. Choisir le décor. Il y avait un truc extérieur. Voilà, c'est beau ça. Prendre une photo d'un groupe d'adultes. Oh oui, venez faire une photo, ça va être beau. Allez. C'est quand tu veux, hein. Mais il se fout de ma gueule. Prends la photo, j'ai dit. Et faites-vous beau. Oh my god, cette gueule. Ah. Hop, en grand. On peut pas tourner le... Voilà, c'est mieux là. Avec un filtre. Ah, les couleurs flash et atroces. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez, prends la photo. Oups. On va essayer de faire un truc. On va mettre les deux mecs. Tiens. On va prendre une photo des deux gars. Elle doit mourir. Il est raté, malheureusement, tu dois la tuer. C'était le truc super de tu l'avais jamais dit, hein. Oh, ils sont trop mignons! Oh, je les kiffe! T'avais jamais dit, Alexis, que si je ratais, elle mourrait, hein. Et puis, j'ai pas envie de la tuer, voilà. Oh, ils sont trop choux. On va voir les photos. On va voir les photos. On va les accrocher. Du coup, comment tu la vends? Hop. Hop là, tadaaa! Ils sont trop mignons, je sais pas ce que vous en pensez. C'est marqué dans le message, je t'assure. Ah bah j'avais pas vu alors. Je vais vérifier. J'ai jamais vu ça moi. Ah si! Tu le suis pas, tu devrais le tuer. Mais non, j'ai pas envie de la tuer! J'avais pas lu. C'est nul. Bon. Mais je vais pas la tuer. Regarde comme elle est mignonne. En plus, c'est la seule gonzesse de la maison. Non mais j'avais pas vu, je te dis, je lis souvent très vite et très mal, donc... Regarde comme elle est mignonne, tu ne veux pas la tuer quand même. La guillotine. Mouais. Mais de toute façon, il est 22h, donc il est temps d'arrêter le live. Et oui. Quel dommage, oh là là! Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. On fera les Sims 4 si tout va bien. Peut-être d'autres jeux si ça vous intéresse. Et puis, on ira dans les autres familles. Donc, je vais m'occuper de faire les maisons des autres. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer des Sims ou à me dire quel genre de Sims vous voulez dans la maison. En attendant, je vous fais des bisous et salut les petits loups!